Hey, bienvenue sur Astor On Joue. Aujourd'hui, c'est moi pis Gab. Salut. Puis on va jouer à GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Je peux-tu dire à quoi on va jouer pour vrai? Ouais. On va jouer à un des jeux les plus surévalués de la planète. C'est que c'est pas tant bon, ce jeu-là. Merci à Benoît Robitaille d'avoir suggéré le jeu. C'est cool quand on fait des suggestions. On aime ça, ça nous donne des idées de savoir à quoi jouer. Ouais, parce qu'on sait pas à quoi jouer. Souvent c'est ça. Mais c'est ça, c'est un style jeu surévalué de marde. C'est que ça sort ce jeu-là, man. Comment ça vous aimez ça, vous autres, l'internet? Ça, check ça, man, le style graphique de cul. Christ, c'est du fâché. Non, les graphiques sont pas tentés. Les graphiques, j'accepte que ça soit lettre. Ben là, c'est un jeu 64. C'est juste le gameplay qui est inexistant. Ben là, en plus, tu joues avec une manette de 300, laisse-toi une chance. Non, je joue avec une manette. Ok. Premier problème avec les contrôles dans ce jeu-là, c'est que le joystick qui fait que tu te déplaces, il fait aussi que tu vises à gauche ou à droite, genre. Fait que là, quand tu fais du sidestep, faut que tu prennes un autre set de pitons. Ça fait aucun sens comme distribution Python, là, fait que c'est ça. Aucun de style logique. Ouais. Jack, je peux-tu te parler d'un de mes problèmes dans la vie? Ouais, vas-y, même. Tu sais, on a dit que ce jeu était surévalué, mais sais-tu qu'est-ce qui est surévalué aussi? Les fucking Beatles! C'est que moi, je trouve ça cool, les Beatles. J'aime pas tant ça, mais pas que j'aime pas les Beatles, c'est que chaque fois que j'écoute les Beatles, je fais comme, ok. Ouais, ok, ouais. Pourquoi tout le monde capote? T'haïs pas ça, mais tu fais. T'es pas fou. J'en écoute pas par choix, genre. Ouais, ok. Mais y'a personne. Mais y'a Kiri, genre, qui est d'accord avec moi, mais Kiri écoute juste du dubstep. Ouais, c'est. Fait que c'est normal qu'il trippe pas particulièrement ses Beatles. Ouais, c'est normal qu'il aime pas n'importe quel autre style que le dubstep. Si t'aimes le dubstep, c'est automatique que t'aimes rien d'autre parce que c'est trop, genre. En tout cas. Hey, ça soque le dubstep! Moi, j'aime ça, quand même. Moi, j'écoute de tout, dans le fond. Ben moi et tout, mais en fait, moi, ce qui m'énerve particulièrement dans certaines musiques, c'est quand c'est ultra prévisible, genre. Puis le dubstep, on s'entend-tu qu'il y a rien moins prévisible? Fais-moi ton imitation de dubstep, Jack. Ça, c'est du dubstep. Exactement. Ça, c'est every dubstep song fucking ever. C'est Chris. Fait que genre, tu sais, mettons, ça me dérange pas d'écouter genre du country ou du rock. N'importe quel style de rock, genre, c'est cool, mais pourvu que. Pourvu qu'il y ait une petite surprise. Ah, Elvis, c'est-tu que c'est pas bon, hein? Voyons donc ça a autant pogné. Le gars, c'est juste parce qu'il danse bien, genre. Après, c'est qu'il danse pas tant bien, il fait juste shaker le cul pis le bout de la jambe. Ouais, mais James Brown, il fait ça aussi. Il est badass. James Brown, il est fucking fort. C'est pas jusqu'à dire qu'il est badass, là. Ouais, il est pas badass, ça, c'est juste qu'il a probablement fourré ta mère, c'est juste que tu le sais. Il a probablement fourré toutes vos mères à vous autres à la maison, c'est juste que vous le savez pas. Toute la planète, toutes les mères de la planète. Ah ouais. Même la mère fucking Kirikou. Kirikou! Mais non, Kirikou, il y a une mère! Je sais pas, j'ai pas vu ça, Kirikou. Moi, à ça, en fait, Kirikou, j'ai vu, c'est les imitations à Christiane Kiri. Kirikou, c'est le film ben trop nice. Ce film-là, il est tellement sous-évalué. Es-tu mad? J'ai un fucking sniper. Fuck, tu sens ça de où? Je sais pas, je l'ai trouvé dans mes poches. Non, mais. Kirikou, c'est tout le temps le film qui jouait quand on allait chez nos grands-parents dans le temps des fêtes. Qu'on écoutait jamais réellement, mais qui était tout le temps là. Ouais, ok. C'était du background noise. Là. Ok, ouais. Pis, j'ai un petit noir qui court. T'as un petit noir tout nu qui court. Exactement. Non, c'est correct, ça. Pis qui trouve un chapeau. Il trouve un chapeau. Ah, un chapeau. C'est la manière de l'autorité. C'est pas lui, ça, c'est son nom. C'est ça le plot de Kirikou, genre. Ah, un chapeau. Ça me donne l'air de l'autorité. Ou ah, un esprit de la forêt. Je ne reverrai jamais mon chapeau. Ok, what the fuck? Avec ces dialogues-là. C'est tombé du gros cristal net, c'est Kirikou. Je te rappelle que Kirikou, il naît enfant, comme n'importe qui. Ouais, mettons. Mettons, je connais pas le délai du temps du film, là. Ouais. Mettons, je vais dire ça même 2 semaines après, il y a 20 ans, puis il faut la sorcière. Spoiler! Oh, mais. Spoiler alert, normalement, faut que tu fasses au début, gars. Oh, excusez. Parce que si quelqu'un n'a pas écouté Kirikou, si quelqu'un n'a pas écouté Kirikou ici, il mérite juste pas de l'écouter. Pourquoi? Ben là, c'est un peu le petit Kirikou quand t'as 20 ans, m'amener. Allume, écoute de quoi, là, fais quelque chose de ta vie. Mais là, regarde. Va à l'école, va au cégep, fais quelque chose. Regarde, dis pas ça, tu sais bien que j'ai rien écouté. Fais ça, je dis ça exactement. Ah, oh, regarde, t'es bien. Peux-tu ouvrir la porte qu'il y a là? Dans le sol, là? Non, la porte de garage. Ah, pourquoi j'ouvrirais ça, là? Ben, c'est juste le dehors. Check, elle est ouverte là. T'es content là, gars? Ouais, je suis content. Bon, bravo. Satisfait. Nice. Tu risques de faire. Bon, ils ont tous respawné, vous êtes petits champions. C'est sûr que des champions, ça respawn. Ah, fait ton petit bisou super beau. Alright. On it. On it. On... Voyons, tabarne. Ok. Oh, damn! Sniper shot. Pourquoi t'as donné ça avec tes anneaux? Ouais, mais t'as-tu vu une vidéo sur YouTube? Genre, c'est genre YouTube Poop, là? Je sais pas si c'est quoi. Ok, bon. Hey, tu l'as avec Hank Hill. En tout cas, whatever. T'as cliqué le mien, tu me diras le tien après. Ok, ben c'est Legolas, genre, qui tire de l'arc. Tu sais, dans la scène du film, maintenant, ils sont comme dans une grosse plaine, genre, pis... les Warg ils spawnent. Ouais, les Warg ils spawnent, pis genre ils courent tous vers eux autres, pis là les Legolas ils shotent dans le tas, genre. Mais c'était une vidéo de ça, mais il y a un sniper dans les mains par-dessus, tu sais, c'est faux la botche, là, par-dessus là. Pis la toune du Seigneur des Anneaux qui joue, c'est juste faite avec des air horns, genre. Fait que c'est genre. Hey, oh my god! Cette vidéo-là, man, il est malade. C'est magique. Ok, ouais, là, je vais faire tout le bout qui sert absolument à rien dans la mission. Ouais, cette fois-là, on a joué un petit peu avant parce qu'on n'est pas familier avec ce jeu-là. On a joué à des James Bond, mais pas à celui-là en particulier. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses sur le Python, je pense. Ah, je peux juste. Non, il n'y a aucune règle qui s'applique dans ce jeu-là. C'est cool. Fait que c'est quoi le truc d'avec Hank Hill? Hey man, c'est juste un YouTube où t'as Hank Hill qui fait juste des propane pendant genre 20 minutes. Ok, c'est pas juste ça là, mais c'est principalement ça. Ok, c'est sweet. Attends, by the way, on peut juste prendre un moment pour dire que ce bout-là dans la mission, c'est quand même très nice. Parce que tu te crisses en bas, tu fais comme, je pense que j'ai chancel, puis là tu reviens en haut, tu fais comme, ah, well then. C'est correct. Je vais me retirer en bas. Pain. Ah, puis là t'as une vue de face, puis t'as dit que c'est en bas. Tu fais comme, ah shit, ok, ben ça devait être dans ma tête. Ce jeu-là, dans le fond, c'est Inception. Je peux-tu parler de Hank Hill, justement? Qu'est-ce que tu veux dire sur Hank Hill? Moi, selon moi, fuck white, tu peux parler de lui. T'as-tu aimé ça, toi, Henry pis sa gang? Quand j'étais jeune, j'ai essayé ça. Ah, mais ce qui est bon dans Henry pis sa gang, c'est tellement plate que ça en devient magique. Il se passe rien dans ces émissions-là. Ouais, absolument rien. Qu'est-ce que tu vas faire, Bobby? On me donner un coup de pied dans les chenolles? C'est le seul épisode que je me souviens. Sinon, il y a celui-là où... Mais c'est le seul épisode qui se passe de quoi, probablement? Non, il y a celui-là où que Clotaire, il y a bon Henri. J'ai plus d'armes. Le père Henri, qui s'appelle Clotaire, qui s'est fait couper des mollets durant la guerre, si tu te rappelles bien. Ouais, c'est vrai. Il y a un nouveau gars, puis il l'appelle bon Henri. Il y a genre un chinois, genre, je sais pas quoi. Là, c'est plus, là, fait plus. Là, son jeune, il... Fait que là, Henri, il dit, mais là, papa, appelle-le pas bon Henri, tout le monde va penser que c'est moi, mauvais Henri. Là, Clotaire, il dit, ouais, c'est ça, M.H. So mean. Oh, les émissions de Henry Hill. Je peux juste dire qu'il y a vraiment beaucoup de toilettes dans les sites. Genre, il y a trop de cabinets. Ah, c'est des nazis, ça les fait chier de tuer des juifs. Padapa! Joke de juif! On adore les juifs, vive Danny Sex Bank. Ouais, c'est vrai, man. Okay, ça c'est de la merde. Je fais tout le temps ça, Boutou Gab, par contre, là, faire ce que tu viens de faire. Genre, ouais, j'aime Danny Sex Bank, fait que j'ai le droit, genre, de faire des jokes de juifs. Je fais la même affaire, mais mon petit frère est autiste, fait que je fais genre, ah, je peux faire des jokes d'autiste tout le temps parce que mon petit frère est autiste, genre. Puis là, le monde sont mal à l'aise. Dans la vie, on fait tout le temps ça, se pardonner de faire des jokes. Ouais, parce qu'on connaît quelqu'un qui a ça. Oh, je peux dire des jokes homophobes, je veux plein d'amis gays. Legit. L'être humain est totalement legit dans ses propos. Moi j'aime ça, man. Moi c'est mes excuses favorites là. Parce que moi mes excuses préférées c'est les excuses invalides mais qui sont évidemment invalides. T'sais, faut pas que tu te crois là, quand tu donnes cette excuse. Ben non. Tu peux faire des jokes d'autistes parce qu'on frère est autiste. Nah. Tu peux pas te signer avec juste cet argument-là. Non, c'est ça. Pourquoi tu. Ouais, mais même si ton frère est autiste, t'as pas le droit de faire des jokes dans le même, c'est blessant. Mon frère est autiste. C'est juste bug. T'entends juste le bruit, l'Indien avec la petite pancarte, t'entends. Parce que t'as bugué. Agab, quoi? Cet Erlenmeyer là est très gros. Ça, c'est un Erlenmeyer. C'est mon mot de béchère. Attends, un béchère. Attends. Il y a des béchères là. Quoi? Attends, je me rappelle plus. Ben ça, c'est des éprouvettes. Ouais. Ça, c'est des... Les béchères, c'est comme les... Ça, c'est des Erlenmeyer. Ouais, les béchères, okay. Ça ressemble à un verre, mais avec un kit pour verser. Fait que c'est ça, genre, mais ça, je garde... Non, à l'autre bord. Ça, c'est un thermos, dans le fond. J'aurais plus le verre qu'il y a là, là. Ça? Ouais. Okay. Mais il n'y a pas de cylindre gradué, je suis mal à l'aise. Ouais, ben c'est peut-être... D'après moi, c'est à cause des limitations de la console. Ils voulaient clairement mettre ça. Ils voulaient mettre un cylindre gradué. Ben ouais, cette pièce-là est indispensable. C'est juste une table avec des éprouvettes. Il n'y a aucun produit chimique. Juste, il se dit, je sais pas comment meubler cette pièce-là, je vais mettre ça. Mais ce qui est cool, et ce que je trouve vraiment... Ça cool, fait feng shui. Ben, ce qui est drôle, ce qui est nice, ben d'autres styles Erlenmeyer de cul. Ce qui est cool, mais drôle avec ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de pièces qui servent à rien. Parce que, tu sais, c'est logique, genre, mettons... Ah, ouais. Je vais te pitcher une mine, je pense. Ou une grenade. Non, une mine. Ce que vous avez pas vu tantôt, en plus, qui était amusant, par exemple, des pièces qui servent à rien, comme Jack dit. Tantôt, j'ai joué, puis j'étais allé, mettons, dans un sous-sol, puis il y avait comme deux chemins, un à gauche, un à droite. J'étais allé à lui, au bout à droite, j'ai tué tous les ennemis d'une manière totalement magique. Ouais, et sniping. C'est-à-dire juste en sniping. J'ai tué tous les ennemis de manière sniping. J'ai juste poivré. Ouais, t'es assaisonné. Il devait être délicieux. Tu demanderas à Hannibal, je vais te le dire. Hannibal. C'est je sais pas, gamme. C'est pas. C'est ça, il y avait un chemin à droite et à gauche, puis là, je suis allé au bout à droite, me rendre compte que dans la dernière pièce à droite, c'est juste une pièce avec des ordis. Ouais. Lol. C'était vraiment long. Fait que là, si vous avez pas catché, ben on a fait la mission d'avant, mais pas celle-là. Fait que là, on cherche en tabarnak ce journaliste quand ben de moi. Ben là, ouvre la porte. Ah, là, ouais, ça fait 12 minutes, Gab, au moins, qu'on fait dans l'épisode. Fait, hey, checkez ça! La prochaine fois sur Astor On Joue, si vous voulez qu'on continue notre game de ce style de jeu surévalué-là, ben... Like, comment and subscribe des choses. C'est ça, envoyez-nous un courriel ou... Ou envoyez-nous un page. Notre page. Envoyez-nous un paget. Bon, okay. Bye. Ciao, là. As-tu dit la prochaine fois sur Astor? Ouais, tu l'as dit avant, mais on peut leur dire une deuxième fois, la prochaine fois sur Astor. La prochaine fois sur Astor, on joue. Peux-tu leur dire ici? Ouais, vas-y. La prochaine fois sur Astor, on joue, on va peut-être jouer encore à ça, ça vous tente. Je vous aime. Bye. Vous êtes belles. Vous êtes toutes les plus belles princesses du royaume. Vous êtes toutes les plus belles. Oh. Si je vais manger tes biscuits aux légumes, je vais peut-être maigrir.